Donc voilà, toujours dans la présentation des nouvelles résines UV que vous allez retrouver sur madflyfishing.com. Donc les résines de la marque Laser Fly Fishing que vous voyez ici. Donc ce sont des résines UV mais fast, donc ont une prise au stylo laser qui est ultra rapide, donc qui est très intéressant, qu'on peut superpositionner, qu'on peut diluer dans la version claire. Une grande gamme de couleurs qui va du bleu. Du bleu au rouge, à l'olive, à l'orange, l'orange fluo, le rose fluo, le noir, le blanc et donc le transparent. Donc là, on part avec un hameçon, on va monter un chironome réservoir blanc et rouge, blanc à tête rouge, donc juste pour vous faire voir la superposition des couleurs et le montage. Donc un hameçon CSA en taille 10, une soifleuse blanche, on part derrière l'œillet en direction de la courbure. Donc, vous voyez, même pas forcément besoin de faire un corps bien recouvert, on peut jouer sur ça. C'est juste faire un sous-corps afin de maintenir la résine en place. Donc, à la limite, le plus important, la tête, encore qu'elle pourrait être faite avec la résine par superposition. Donc là, on accentue quand même pour marquer. Voilà. Et on finit whip finish pour le fil de montage. Voilà. On coupe bien à ras. Ensuite, donc, on va positionner la teinte blanche. Donc, toutes les teintes peuvent se positionner à l'aiguille, ce qui est plus facile pour les répartir. Donc là, on part avec une goutte de produit, pas la peine de mettre trop de produit non plus. Donc on fait le corps, on tourne bien. Voilà. Donc, on a positionné notre blanc. Donc, un coup de stylo. Voilà. Donné par le fabricant, 3 secondes pour avoir un produit fini et qui ne marque pas, qui ne colle pas, qui ne poisse pas. Voilà, déjà dur, prêt à pêcher quasiment. Donc là, on va nous, de l'autre côté, installer une teinte rouge pour le côté marqueur en réservoir. Donc, une simple goutte. Voire je vous conseille de mettre le moins possible. Et afin d'avoir une teinte bien prononcée, faire en 2 couches. Donc pour faire voir que le produit peut superposer à l'infini. Il suffit juste entre chaque voilà, de passer un coup de laser dessus, un coup d'UV. Donc là on reproduit l'opération. Vous allez voir, on va avoir une teinte qui va être bien plus prononcée, qui peut être très intéressante. Voilà. Donc un gain de temps sur le montage aussi des chiros, autant j'ai pu le faire voir sur la vidéo des nymphes en plomb, que là aussi ça peut être intéressant, on a un gain de temps des séries. Voilà. Donc vous avez un chiro qui est fini, qui est prêt à pêcher, qui est brillant et qui ne demande qu'à prendre du poisson. Donc voilà, je suis très heureux de vous présenter ce produit sur le site madflyfishing.com et puis je reste à votre disposition pour toute question. Merci.